Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Donc, mon petit panier est bien rempli. Enfin, mon grand panier. Voilà. 4 000. Donc, on va commencer tout de suite pour que la vidéo soit rapide. Voilà. Donc j'ai terminé mon huile démaquillante nourrissante de chez Nivea. C'est celle à l'huile de macadamia naturelle pour, les peaux sèches. J'aime bien celle-ci ou la bleue qui a l'huile de coco. Je la rachèterai pas pour le moment. Pourtant ça a été mon démaquillant phare pendant un très long moment. Alors oui, je pourrais la racheter si je tombe à court du baume démaquillant de chez Beauty Bay que j'adore. Voilà, et je vais tester le Shiglam aussi bientôt. Enfin, Shiglam, je sais pas. Sur les recommandations d'Emmy. Donc, je verrai bien, mais je pense que comme je commande régulièrement sur Shein, au pire des cas, si je tombe à court du Beauty Bay, j'aurais pu recommander entre-temps un de Shein. Donc, celle-ci, pour l'instant, je ne recommanderai pas. Tout ça pour vous dire que je la rachèterai pas. Mais que j'aime bien, voilà. Les masques, comme d'hab, on fera à la fin. J'ai fini de chez Ziaja, donc normalement ça se dit Ziaja, c'est polonais, sur Maki Beauty, c'est le Intimate Creamy Wash, avec du lactobionique acide régénérative. C'est un gros format, il est vraiment pas cher, il nettoie la vouvoune, que lui demander de plus. Après j'ai pas eu moins de démangeaisons que d'habitude, parce que voilà, j'ai des problèmes de démangeaisons à ce niveau-là, parce que je fais souvent des allergies à mes sous-vêtements. Il y en a qui me calment un peu plus que d'autres. Celui-là, c'était pas forcément le cas, mais il est très bien, surtout vu le ratio quantité-prix, puisque c'est un 500 ml quand même hein, et j'avais payé ça vraiment pas cher. Alors, j'ai terminé une eau de rose de chez Action. Ça, je rachète automatiquement. Là, je vais pas le racheter, hein, je switch. Quand je commande et que j'en trouve pas cher, je prends sur un site. Sinon, en principe, j'achète en grande surface. J'ai terminé un biphase. D'ailleurs, il y en a encore un peu dans le fond qui a dégorgé. De chez Cien. Donc, j'alterne entre celui-là et celui de chez Action. J'aime bien les deux. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de préférence. Celui-ci, le format est peut-être un petit peu plus petit. Celui-ci, c'est un 100 ml. Il me semble que l'autre, c'est un 125 ml. Il est un peu moins cher aussi, je suis chez Action. Mais ils font tous les deux très bien leur job. Donc voilà, j'alterne. Quand je vais chez Action qu'il y en a, je fais un stock. Quand je vais chez Lidl, chose très rare, qu'il y en a, je fais un stock aussi. J'ai terminé le gommage Coffee to Glow de chez Essence, c'était de la collection donc Coffee to Glow. C'est un petit comme ça avec du grain dedans, mais on cherchait le grain. Par contre, il sentait super bon le café bien corsé, mais je rachèterai pas. J'arrive pas à trouver un sous ce format là qui est aussi bien que celui que je prenais chez ELF. J'ai jamais trouvé aussi bien. J'ai terminé le Night Recovery Ice Balm de chez Catrice. Ça, j'ai bien aimé. C'est un contour des yeux à mettre pour la nuit, mais c'est un masque en fait, donc c'est super, ça reste un peu en surface, mais c'est super hydratant. Vous avez vraiment le contour des yeux bien réhydraté le lendemain matin. Maintenant, j'ai le contour des yeux W7 qui est très bien aussi, et comme c'est un grand format, je le mets matin et soir, donc pour l'instant, je ne le rachèterai pas, mais une fois quand ça me toquera dans une de mes commandes, il sera certainement de nouveau dans mon panier. Tout pareil pour cette crème de jour, la Silk Protéine Hydromanyl 24 heures, c'est à la fleur de coton de chez In, que j'avais trouvé sur Maki Beauty aussi pour une misère. Je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros la crème. J'adore cette crème, c'est vraiment une de mes crèmes préférées, il n'y a pas de doute. Franchement, elle est super hydratante et elles sont divinement bon. J'adore cette crème. J'en ai une en backup, mais j'ai acheté plein d'autres crèmes hydratantes. Donc, il faut d'abord que je rachète d'autres, enfin, que j'utilise les autres avant de racheter celle-ci. Mais c'est ma crème préférée. J'ai terminé le sérum Hello Good Stuff Glow Sérum Primer de chez Essence. C'était le premier qui faisait en bouteille avec un flacon pompe. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, il était hydratant, il sentait bon, mais rien de bien particulier. Des sérums, j'en ai à gogo de chez Essence et Catrice, hein, voilà. Et j'ai encore, je crois, des W7, des Révolution, j'en ai un peu de toutes les marques. Faut que j'arrête d'acheter des sérums parce que j'en ai un peu beaucoup là. Mais voilà, j'aime bien celui-là sans plus. J'ai terminé une huile de douche Shower Oil de chez Nivea, donc voilà, je vous en mets pas à chaque fois parce que j'en finis très souvent vu que c'est un des seuls gels douche que j'utilise. Pas en ce moment parce que j'en ai acheté des autres qui sont divinement bons. Soit j'utilise celui-ci, soit une mousse de douche Ritual, c'est bien que ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert une. Pour l'instant j'utilise celui de mon dernier haul Action à la banane et à la fraise, j'adore, ou celui à la banane, ou au pumpkin de chez Action, voilà, je les adore beaucoup, mais il faut qu'au moins qu'une douche sur deux ou sur trois, j'alterne avec celui-ci pour me réhydrater la peau et enlever un peu le côté à cause du calcaire, les démangeaisons, la peau sèche et tout ça, donc voilà, mais j'en ai toujours un stock d'avance de ce truc-là. J'ai terminé le Coconut Crush Body Scrub de chez Primark, de Stitch, que Manon m'avait offert. Et c'était de la coco. On avait l'impression de se gommer le corps avec du sucre et de la coco râpée. J'ai adoré le format en sachet comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi parce que ben, du coup, c'est voilà, ça prend moins de place dans la poubelle et... moins de place sous la douche également, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je ne le rachèterai pas parce que j'utilise très peu de gommage pour le corps, ce qui n'est pas bien, je sais, je devrais plus avec ma peau sèche et mes démangeaisons justement, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai utilisé une colo Sayos Cosmic Blue, voilà, c'est celle que j'utilise tout le temps, donc quand elles sont dedans, c'est que j'ai fait deux fois mes racines, puisque j'utilise pour faire deux fois mes racines, bien que maintenant, je vais devoir passer à juste une utilisation de racines parce que j'ai beaucoup trop de cheveux blancs maintenant. Et ouais, mamie prend de l'âge. J'ai terminé les Ashwagandha Forte de chez Orca. Je vais m'en racheter, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé l'effet de ces petites vitamines. C'est pas vraiment des vitamines, hein, mais ça fait un peu tout en fait. Hein. Donc c'est une plante indienne, je crois, une racine de plante indienne. C'est bio, vous avez une cure d'1 mois dedans. Sur Crevette, les Orca, vitamines et tout ça sont souvent en 2+1 gratuit, donc je prends pour 3 mois. Ça contribue à plus d'énergie et à une diminution de la fatigue, soutient en cas de stress, optimise la concentration et la vigilance, favorise une relaxation et un sommeil réparateur. Et j'ai vraiment vu l'effet de ces petites choses-là. Donc, je vais m'en reprendre. Peut-être pas forcément de cette marque-là, sauf s'ils sont nouveaux en promo sur Crevette, mais je vais m'en reprendre, c'est sûr, parce que j'ai vraiment, vraiment senti une différence avec ces choses-là. Alors, qu'est-ce que nous avons fini encore? J'ai terminé le spray Happy Bliss Hello God Stuff, toujours Hello God Stuff de chez... Essence, merci. Ben c'est pas celui-là que j'ai. Ouais, là je viens de racheter un, mais à la pastèque. Oui, je voyais bien aimé, j'aime bien ces petites prunes, mais je les achète souvent quand elles sortent et je rachète une autre quand ça ressort. Alors, ça c'est des masques. Attendez, j'ai enlevé un peu les masques parce que j'en ai toujours pas mal, hein, je sais. Ça c'est. Ça va dans les masques. Alors, pour rester chez Essence, j'ai terminé les deux petits Beauty Sérum. Donc, il y a le Energy et le Beauty Sleep. C'était un format un peu goutte, comme ça. J'ai beaucoup aimé ces petits produits, je les rachèterai. Donc, vous avez le poussoir ici qui... il y en avait encore un tout petit peu, là. Pour faire sortir le produit. Et un pour le jour, un pour la nuit. J'ai bien aimé. Est-ce que je les rachèterai? Oui, s'ils sont une fois qu'il me faut des petits produits pour avoir les frais de port gratuits sur un site où il faut un certain montant. Toujours pour aller avec ma colo, j'ai terminé le Green Envie de chez Révolution, les Airtons for Brunette. J'adore ces petits soins-là. Donc c'est colorant, c'est ce que j'ai en ce moment dans mes cheveux. Mais là, je pense que je vais devoir refaire un peu les mèches avec les Manic Panic. Surtout les vertes, les turquoise tiennent d'enfer dans mes cheveux, je sais pas si vous allez voir, Mais le turquoise tient d'enfer dans mes cheveux. Vous voyez ici. Mais le vert tient un peu moins. Donc là, j'avais refait ça par-dessus pour recolorer un peu toutes les mèches. J'aime toujours pas le packaging parce qu'on a vraiment du mal à avoir tout le produit. Mais j'adore le produit en lui-même. Ça fait vraiment un très bon soin dans les cheveux. Après, je vais pas le racheter parce que j'en ai encore au moins 4 ou 5 d'avance. Et j'ai encore les Crazy Color, les Manic Panic. J'en ai un peu beaucoup. On va rester donc dans les cheveux. J'ai terminé... Enfin, presque terminé, parce que du coup, ça a recoulé. Alors, il est dégueulasse, parce que ça fait très longtemps qu'il est sous ma douche. Le Natéis cheveux secs ou abîmés à l'huile d'argan et au jasmin. Donc, c'est de la marque Leclerc, la marque Repair. J'aime beaucoup ces petits shampoings-là. Ils coûtent quasi rien. Je crois qu'ils sont à 1,99 € ou 1,19 €, un truc comme ça. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Et c'est des très bons shampoings. Également, les masques aussi, que j'aime beaucoup de chez eux. Pour l'instant, je ne le rachèterai pas, parce que Mami Backup a un stock de soins inimaginable. Pareil pour celui-ci, le Aussie 3 minutes Miracle Moisture. Voilà, je l'ai terminé, je ne le rachèterai pas. Je préfère vachement les formats peau, que celui-ci est un peu moins pratique. À la fin, vous avez vraiment du mal à faire sortir le produit. Mais je les aime bien, les masques aussi. J'aimerais bien les trouver en peau, mais je crois que ça n'existe pas. Voilà. J'ai terminé un spray curl anti-freeze air tonic de chez Action. Donc cette gamme là, j'adore ce spray, c'est mon spray préféré pour les cheveux. C'est pas vraiment pour les curler, hein, voilà, parce que j'ai les cheveux bouclés de base, mais j'entretiens pas mes boucles parce que je préfère les avoir lisses, ou alors je les frise au fer à friser. Mais j'aime beaucoup, il est vraiment anti-freeze, donc ça vous permet un petit peu les petits frisottis, de lisser aussi, parce que ça les rend bien brillants, bien souple, et en plus ils sont divinement bons. Alors divinement bon, j'adore ce produit. Il n'y en avait plus pendant tout un temps, et là j'ai refait un stock parce qu'il y était quand je suis retournée chez Action. J'ai terminé le c'est le shampoing, ah non, c'est le gel douche à la banane de chez Action. Donc vous voyez ce que je vous dis, c'est en ce moment on n'utilise plus que ça. Même le shampoing, les garçons adorent. J'adore cette gamme à la banane, j'en suis totalement fan de cette gamme. Pareil pour le masque, pour les cheveux. Enzo s'en sert aussi. Alors, il n'a pas de cheveux sur la tête, mais juste pour avoir l'odeur de banane, il s'en sert. Et pareil, j'aime les trois produits, hein, que ce soit le gel douche, le masque ou le shampoing. J'adore. Et quand je sors de la douche avec le shampoing, plus le masque, plus le gel douche, je sens la banane là, et mamie, elle est contente. Tout simplement. Alors, je jette de l'Imaon, voilà, une de chez AliExpress tout simplement, et une de chez The Body Shop que m'avait envoyé Nico dans un colis de Noël. Un petit rasoir que j'utilise pour mes sourcils et le duvet et tout ça partout. De chez W7, c'est ce que je préfère. Je crois que j'en ai plus qu'un d'avance, donc il serait peut-être temps que je recommande. J'ai terminé une gummy base clear de chez Ongles24. Pour l'instant, j'en ai encore une, mais il va falloir que je m'en rachète une très vite pour pas tomber à court. Le Paris Amour de chez Bath & Body Works, je l'ai enfin terminé. Il faisait partie de mon big project pan de l'année, donc je vous le remets en barre d'infos. Il sentait très bon, ça je rachèterai pas. Les brumes corporelles, c'est pas mon kiff. Déjà, je me parfume que très peu. En principe, je me parfume quand je sors de chez moi, et quand je sors de chez moi, je mets du parfum pour que ça tienne plus longtemps. Donc, je rachèterai pas. Je m'en sers comme désodorisant, hein, les 3/4 du temps. Voilà, et donc il nous reste les masques. Alors tout d'abord, j'ai fini les 24K Pure Gold Collagène. Donc c'est des petits masques pour les yeux dorés. J'avais trouvé ça sur Amazon. Donc c'est un produit de marque chinoise, hein. Oui, il me semble que c'était sur Amazon. Je ne sais plus. Je les rachèterai pas. Ils n'étaient pas assez hydratants. Ils glissaient. Ils se déchiraient très facilement, ils n'étaient pas assez épais, et en plus ils laissaient un petit peu des petites paillettes. Donc ceux-là je ne rachèterai pas. Pour l'instant j'utilise des Super Nana de chez Révolution, que j'aime beaucoup. Alors pour rester dans ceux pour les yeux, est-ce que j'en ai fini d'autres? Logiquement oui, hein, parce qu'en principe si je fais un masque, je fais des patchs pour les yeux, et de temps en temps je ne fais pas que les Super Nana. J'ai terminé ceux-là, enfin une paire de ceux-là de chez Action, que j'aime beaucoup parce qu'en plus ils font le dessus de la paupière supérieur aussi, donc ça hydrate vraiment tout le tour de l'œil. Et j'aime beaucoup ça, ils tiennent bien, ils sont assez épais, ils ne se déchirent pas. Et ceux-ci, les Yuti Ace Pad Mask, que j'avais trouvé chez DM. J'avais acheté plusieurs paires, ils étaient à 99 centimes. Je les ai bien aimés, mais je ne suis pas prête de retourner chez DM, donc je ne vais pas les réutiliser pour l'instant. Enfin, les racheter pour l'instant. Alors, j'ai fini le Swirling Cupcake de chez Action. Hein. Il sentait divinement bon. Il sentait un peu la fraise, comme ça. J'ai beaucoup aimé. Celui-ci en argenté. J'ai pas fini le doré aussi. Non. Celui-ci en argenté, que j'aime beaucoup ces petits masques-là. Ils sont bien. Voilà, je les aime bien. Celui-ci que j'avais acheté sous conseil d'Amy qui l'adore, moi j'ai pas aimé. J'ai bien aimé le rendu, le soin et tout ça, mais le masque ne tient pas, c'est en deux parties. Hein. Et le masque ne tient pas sur ma face, il est beaucoup trop lourd. Donc je ne rachèterai pas. Ah, encore des patchs pour les yeux. J'ai fini les trois paires qu'il y avait de Star Wars ici, bébé Yoda, de chez Mad Beauty. Voilà, je les ai terminés. J'ai fait le patch de chez Mad Beauty toujours. Ça, c'était un cadeau de Nico. J'ai terminé les deux masques Action comme ça, avocat et grapefruit, là, enfin pomme granate. J'ai bien aimé les deux. Et celui-ci, réponse de chez Disney. C'est ceux que je préfère le moins chez Action. Je les aime bien parce qu'ils sont mignons, quoi, et que voilà, c'est les princesses Disney que les packagings sont très beaux. Mais j'aime pas du tout, les yeux sont trop petits, voilà, ils s'appliquent mal sur la face, je trouve. Et celui-ci, si j'ai pas de bêtises, c'était... ah non, au titri. Mais il y en a beaucoup au Périlla, et j'ai horreur de l'odeur du Périlla. Donc, voilà pour mes produits finis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai encore pas mal, depuis la dernière fois, encore pas mal terminé de produits. Dites-moi ça en commentaire. Je vous mets les derniers produits finis et le Big Project Pan en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir, vous les avez sous la main. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, de mettre un petit pouce en l'air, d'activer la petite cloche, voilà, ça m'aide beaucoup. Plus vous avez d'activité sur ma chaîne, plus vous me faites gagner en visibilité. Donc les commentaires sont importants aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.